ça va être extrêmement difficile de faire quelque chose face à cette Viper. Les deux premiers matchs ont été gagnés par Makoto, mais bon, on a senti quand même que certaines phases ont été un peu chanceuses. Il y a un raté, celui du Ryo avec des Ultra qui whiff, et puis il y a eu des choses assez bizarres. Et il faut rentrer dans le match, et Ryo semble maintenant être bien parti dans ce match. Ça va être maintenant à Makoto de trouver les solutions pour s'extirper un peu de la puissance de la Viper du Ryo avec les Burning Kick dans la garde. Vous voyez ici un petit cross-up, Burning Kick, on charge à barre de super, on se met à distance de punition. Décalage, chop, ça repasse. Saut medium punch, burning kick, thunder knuckle. Il est dans le coin, c'est quasiment terminé. Saut H4, win one, il garde tout. Le backdash pour essayer d'éviter tout thunder knuckle en option select dans le saut, c'est tout simplement horrible, il y en a partout. Overhead stun et encore un troisième perfect d'Urio sur Makoto. Alors je dis perfect parce que c'est quasiment ça. Il a dû prendre un dégât de grattage sur un flying Barcelone dans la garde. Je veux dire, pour moi c'est considéré comme un perfect. Makoto qui n'a rien fait, regarde son burning kick. Du coup le HK permet à Makoto de retomber sur ses pattes, mais c'est pas grave, il y a encore deux Thunder Knuckle à suivre. Burning Kick cross up qui remet Makoto dans le coin. Voilà le ex Scarlet Terror qui a permis de sortir ici du coin. Il a eu un peu de chance là-dessus. Soirée Rai Punch, allez, c'est le moment de revenir. C'est le moment de revenir. Makoto, on en s'en sort là. Bas Medium Kick qui punit ici Burning Kick. Encore un dash avant cross down. L'enchaînement de live, décalage chop. Très bien joué. Allez, elle a relevé. Peut-être le Cosmic Start évité par le backdash. Il n'était pas à bonne distance pour le manger. Ce backdash, malheureusement, saut vertical. HK, c'est magnifique. Cosmic Spark cross down avec le bas médium et l'excellent personne qui passe sous la drop. Le Makoto qui revient dans la partie là-dessus. Bas médium push, balai kick, cosmic spark, soirée high push, c'est bien joué ça. C'est un instant overhead ici, ça fonctionnait comme un anti-air. Et encore une instant overhead, saut arrière, high punch, utilisé à la perfection par Makoto. Que voulez-vous que je réponde à ça? Makoto totalement dominé dans le match, qui retourne la situation immédiatement à son avantage. Là on a vu le high punch à la relevée qui trade, et le bas medium punch qui immédiatement fait combo hein, sur ce trade de high punch. Voilà, bas medium kick, bas medium punch, ex flying Barcelone avec les Zuna drop à suivre. Le high punch qui trade encore une fois, mais il était dans les airs hein. Ce coup-ci Oriol il a spammé un burning kick qui touche. Attention, attention à pas faire d'erreur. Le ex Scarlet Terror, c'est très très mauvais, et l'ultra évidemment qui va passer dans le coin. C'est quasiment terminé pour Makoto, je sais pas comment il va pouvoir s'en sortir. L'ultra ça va passer dans la garde. Voilà, ce qu'il voulait chercher à faire, c'est essayer de passer en dessous justement de ce saut vertical. Mais bon, vous imaginez bien que Uryo ne va absolument pas le laisser faire, lui donner une occasion de s'enfuir du coin. Cet ultra passe dans la garde et Uryo punit deux partout. Voilà Uryo qui semble être revenu dans la partie malgré un deuxième round un peu fou ici sur ce quatrième set. Uryo n'a eu aucun mal à se défaire de la griffe de Claw. C'est le moment de réagir. C'est le moment de réagir là Makoto, parce que sinon les rounds vont défiler. Cosmic Smart avec la chop, il a pas déchopé ici Uryo. Attention à la relevée, saut vertical HK, medium punch. Heureusement qu'il n'y a pas de TK derrière ce medium punch, sinon ça aurait pu faire très très mal. Il a voulu faire encore plus mal avec un bas medium punch hein, je pense en link. La rolling à la relevée qui casse le Thunder Knuckle High Punch. Pourquoi pas. Soit High Punch qui fait double touche sur Burning Kick. Le backdash il se fait casser par Burning Kick. Il est encore dans le coin Makoto. La chop s'est déchopée. Il s'extirpe du coin. Voilà la chop sur le empty jump. Très bien joué. Une Cosmic Star pour se rapprocher. Une deuxième pour toucher. Et une frame trap avec le backdash. Le soir arrière medium kick qui touche. Cosmic Star ultra. Oh c'est magnifique. Le confirme le plus difficile de l'histoire de perso à charge. Cosmic Smart tout ultra sorti par Makoto mid-screen, tout simplement superbe. Makoto qui prend le round sur ce confirme, digne de plus grands titans du monde. Incroyable ce qu'il nous a fait là Makoto. Il y a un seul confirme possible sur cet ultra et il vient de nous le montrer face à l'un des meilleurs joueurs du monde. Oh, il est pas content, il est pas content là Uryo. Il met une pression de tous les diables. Allez extérieur avec le cross up, Thunder Knuckle cancel, saut vertical, la kick, saut vertical qui trade sur le Scarlet Terror, Cosmic Spark backdash, Thunder Knuckle qui whiff, le Cosmic Spark cross down. Il aurait pu punir là, il aurait pu punir Makoto. Voilà c'est très bien joué. Bas medium kick, bas medium punch, ex flying Barcelone, flying Barcelone pour sortir du coin, il prend un medium kick, Thunder Knuckle, trop de recover sur ce flying Barcelone. Il est totalement à poil à la relevée de Viper malheureusement, et il n'a pas le temps de récupérer. Le bas medium kick rentre et le Thunder Knuckle fait deux hits. Attention, SOS flying Barcelone qui a fait cross down dans les airs, qui a un tout petit peu whiffé, ça aurait pu se terminer beaucoup plus mal. Ouais, un jeu Cosmic Smart, et il prend burning kick, Uryu qui est vraiment démoniaque, et là on peut plus l'arrêter. Le burning kick avec
immédiatement le Thunder Knuckle, Burning Kick touche cross-up. Soit HK, Burning Kick cross-up. Qu'est-ce que tu veux garder ça? C'est impossible. Burning Kick encore cross-up. Il est en train de lui faire tourner la tête. Voilà, le Lex Scarlet Terror au pif dans l'overhead. C'est très bien joué. Ça permet de repousser un peu les ardeurs. Mais prends Seismo. Burning Knuckle, Burning Knuckle. Il y a des Knuckle partout. Balai Punch, Balai Punch. 10 Light Kick, 3 hit. Combo, juste ce qu'il faut pour terminer la griffe de Makoto. Quand je vous dis hein, qu'on le surnomme l'instoppable, on a bien vu ici ce que ça voulait dire. L'instoppable Uryo qui a été inarrêtable par The Sleepy King Makoto qui est en train de sombrer. 3 victoires d'affilée de Uryo. Uryo qui commence à s'envoler, il faut absolument réagir. Makoto qui est en train de prendre le versus en pleine tête. Il prend HK, bah medium kick, Thunder Knuckle. Thunder Knuckle encore, Burning Kick qui a whiffé après le light kick. Il a fait un petit win one, heureusement que ça whiffe et ça permet à Makoto de placer la shove. Soit high punch, show vertical, HK c'est immédiatement réagi. Il y a le Thunder Knuckle dans sa tête. Burning Kick à la relevée, bah medium punch, il a raté son mitty ici. Le pauvre Uryo. Dommage parce que si le Mitty touchait, c'était encore un pressing gratuit. Hein. Makoto qui volait immédiatement. Il y a un Mitty raté. Ils sont dans l'ultra de tir. Il le voit, Makoto. Il le voit. Il y a le light kick. C'est donc pas un burning kick. T'as donc l'ultra immédiatement dans ta face. Et burning kick qui whiff pas medium. Le flying Barson avec Stan light kick. T'as dit de m'arrêter, mais l'ultra dedans. C'est pas possible. Un prêté pour un rendu. Les punitions à l'ultra qui sont démoniaques. Et là, il n'y a pas de pif. Ça, je peux vous dire qu'il n'y a aucun pif là-dedans. C'est juste du réflexe pur et dur de la part de ces deux joueurs. C'est absolument phénoménal. Phénoménal, on est en train d'assister à un match de toute beauté face à deux joueurs d'exception. Deux joueurs qui n'ont plus rien d'humain, qui ont dépassé tout simplement ce stade-là. Allez, Burn Kiki Weave, bas Medium Punch et ex-Flying Barcelone. Il prend Thunder Knuckle à relever. Ça encore, hein, on sent que Uryo passe du côté obscur du pif hein, quand même de ce côté-là. Avec le high punch, bas Medium, Flying Barcelone qui est passé, qui a bien puni. Oh, ça fait très mal. Ça fait très mal ce 2 hit. Le ex-Seismo, Seismo, bam, 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 bam. Il est dans le coin ici, Makoto. Il peut plus s'extirper. Flying Barcelone, voilà, il reprend le contrôle du centre. Avec toujours avantage pour Makoto dans cette partie. Cosmic Smart, ça whiff alors qu'il était baissé ici. Uryo, ex-Scarlet Terror. Scarlet Terror pour charger la barre de super. Backdash qui évite le bas Medium kick, bas Medium punch qui fait mouche. Il fait mouche, il est très loin. L'overhead, ça c'est superbe. Overhead killer. Makoto qui utilise le nouveau coup Diagonal Light Punch. Et qu'il faut voir, ou Diagonal Medium Punch, je ne sais même plus, j'ai été joueur de clos, je ne sais même plus ceci, pour terminer le match et prendre le deuxième round. Allez, bien joué, l'overhead qui est passé, hein. Un overhead s'est rendu immédiatement, hein. Uryo qui montre qu'il est présent, Burning Kick après le saut HK qui a touché cross-up, Burning Kick encore, Thunder Knuckle dans le coin, c'est impossible, voilà, avec ce Scarlet Terror, il peut faire que ça, Cosmic Smart cross-up pour essayer de mettre un main game de relevé avec le HP qui a touché en Mitty, la glissade bien jouée pour punir ici, bien. Ah, voilà, le Cosmic Smart anti-backdash. Il est totalement là, c'est la seule option select de clos hein. De toute façon, ce Cosmic Smart anti-backdash. Et quand c'est utilisé avec très très bonne utilisation, bon, voilà, c'est terminé. C'est terminé, je ne sais même plus ce que je disais là. J'étais en train de regarder tout en étant en train de parler. Il y a un Seismo qui est passé, Burning Kick. Il a touché le coin, c'est immédiatement l'ultra de Uryo qui rentre 4 à 2 en faveur d'Uryo. Et donc l'avantage hein, pris par l'instoppable. On s'en doutait. On a le versus hein, finalement face à nous qui apparaît. Malgré l'utilisation de l'ultra de Makoto qui à chaque fois qu'elle a été lancée a fait mouche. Makoto n'arrive pas pour le moment à poser de difficultés à Uryo qui envoie trop de mind game, trop de phases où tu ne peux malheureusement pas faire grand chose. Allez voilà, le zoning de Makoto, très bon, hein, vous voyez avec ce bas medium punch, stand light kick, bas medium kick, allez, les balai punch, décalage karachop, ça va te choper à mid screen, il n'y a aucun problème avec ce genre de phase là. Burning kick qui sauce le saut HK, avec ici le saut HK qui passe, saut HK qui casse tous les reversals, Scarlet Terror, l'ultra pour se sortir du coin, bien joué, Makoto qui utilise l'ultra pour prendre contrôle du centre. La Karachop s'est déchopé. Oh, l'attentif Furio, il est attentif, il est quand même très attentif. Avec ici le X-Smoke qui a whiffé la chop aérienne, c'est très bien joué. Allez, à la relevée. Le bas medium punch qui trade sur le Thunder Knuckle. Bas medium punch, le flying Barcelone. Et c'est terminé. Uryo qui s'incline. Makoto qui prend le premier round. Allez, peut-être le tournant du match. L'occasion de revenir pour Makoto. Cosmic Smart, backdash, balai punch, ça whiffé avec le Twin One qui casse ici la saving
swing de Makoto, le bas medium punch, bas light punch, décalage. Oh, dommage que ce soit H punch et passé encore dans les frames d'invincibilité du Exo-Sismo. Il a pris la chope, burn kiki whiff alors que Makoto était baissé. Bien joué, Cosmic Smart, Scarlet Terror, soit HK, bas medium kick, bas light punch. Il se décale et pic, telle une abeille. C'est très très bon ce genre de petit mouvement là. Allez, il est présent, Makoto, il est présent. Il ne va pas se laisser dominer par Urio. Dommage, le bas light punch, X-Wing Barcelone sorti trop tard. Oh, dommage ça aussi. Ça passe dans la gare. Bien joué, on enlève son masque, son HP et l'ultra voilà. Ça c'est de l'attente suivie de l'ultra efficacité de Makoto. On en retire son masque pour faire le maximum de dégâts à Urio. Et on envoie immédiatement soit HP tout ultra, soit HP tout ultra. Vous vous rendez compte, la capacité à garder la charge de Makoto est démoniaque.